Alors Claudie, c'est la der des der aujourd'hui. Oui. C'est Simon maintenant. C'est à Simon de jouer. Au prochain leg. Comment donc, tu voilà. te sens? Fatiguée. Ravie de ce leg, enfin de ces deux legs enchaînés, mais un peu fatiguée. La dernière station? La dernière station, ouais. La 192. Et comment tu te sens pour cette dernière station? Je suis heureuse. Mission accomplie. C'est le dernier prélèvement que je vais faire du mercure, là. C'est pas mal parce que c'est un échantillon riche. Station, yeah, dernière station, Sergueï. Oui, pour moi, mais pas pour Tara. Yeah. Last in this cruise. Dernière de cette expédition. But very interesting. Daily, the day before, mais c'est très intéressant aujourd'hui. Les jours d'avant, il n'y avait pas tant de phytoplancton, mais là, c'est plein. Mais par contre, le zooplancton a disparu. Ou il n'y en a pas autant. Il y a une grosse différence sur une distance assez courte. C'est la même mer, la même profondeur, mais il existe apparemment des caractéristiques différentes. Alors Diana, là c'est vraiment le dernier. C'est dernier ce échantillon de quoi ? D'oxygène 18, c'est les isotopes de l'oxygène, les isotopes stables. Pour savoir si on a une trace des fleuves sibériens ici au fond. Voilà à quoi ça sert cette mesure. Voilà, c'est vraiment le dernier prélèvement. 60 millilitres. T'as l'air contente. Hein. Faut le mettre plus bas. Ouais, ça, ouais, c'est... Ça va être mesuré avec un spectromètre de masse au l'océan à Paris. Dans 6 mois ou dans 1 an, ou peut-être plus tard. Quand on aura et l'argent et l'étudiant. Bon, allez Margot, l'équipe d'enfer. Ouais. On a fini. Ça y est Margot, c'est la fin de l'exploitation par Diana? Ouais. C'est pas grave, je pense que j'en aurai un prochain à aider pendant les daily. Comme ça, je suis habituée. Mais est-ce qu'il sera aussi sympa que Diana? Oh, sûrement.